TFM, votre station chrétienne, la parole de Dieu non diluée. Bienvenue si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue, toi qui as déjà l'habitude de te connecter pour pour nos séances d'études bibliques de la semaine. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les pays africains. Nous saluons ceux qui nous écoutent depuis l'Afrique du Sud, depuis le Mozambique, depuis la Tanzanie, depuis euh, le Zimbabwe. Nous saluons également ceux-là qui nous écoutent depuis l'Angola. Sans oublier ceux du côté de la République démocratique du Congo ou la République du Congo du côté de Brazzaville. Je salue également ceux qui nous écoutent depuis la République centrafricaine, depuis le Tchad, depuis le Cameroun, depuis le Gabon, depuis même Madagascar, n'est-ce pas Je salue ceux qui nous écoutent du côté du Sénégal, sans oublier ceux-là qui sont au Ghana, au Nigeria, au Mali, au Sénégal, euh, au Burkina Faso, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Égypte, euh, en Éthiopie, n'est-ce pas Également au Kenya. Euh, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vous tous du côté de l'Afrique. Si j'ai oublié un pays africain, n'est-ce pas? Veuillez bien m'en excuser. Votre pasteur est plein de versets bibliques. Ce n'est pas toujours évident, n'est-ce pas? De tout mettre dans ce cerveau. Je remercie donc le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie, ma sœur. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie, mon frère. Je le remercie d'avoir mis dans ton cœur de t'intéresser aux choses. Spirituel. La parole de Dieu nous enseigne dans le premier épître de Paul aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11, la parole de Dieu dit Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai abandonné ce qui est de l'enfant. La parole de Dieu dit qu'il y a un moment où tu raisons comme un enfant. Il y a un moment où tu réfléchis comme un enfant. La parole de Dieu dit qu'il y a un moment où tu juges comme un enfant, où tu penses. Comme un enfant, mais ça fait deux ans que tu es chrétien. Ça fait cinq ans que tu es chrétienne. Ça fait dix ans que tu es chrétien. Ça fait quinze ans que tu es chrétienne. Ça fait vingt ans que tu es chrétien. La parole de Dieu dit que tu dois abandonner les raisonnements d'enfant, que tu dois abandonner le niveau où tu es et que tu dois grandir. Je ne sais pas comment l'ennemi réussit à faire de toi quelqu'un qui lit seulement le Nouveau Testament. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à te bloquer dans le Somme 23 ou dans les Sommes seulement. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à faire de toi quelqu'un qui ne lit que l'Ancien Testament. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire qu'il est temps pour toi de grandir, qu'il est temps pour toi d'arrêter avec les raisonnements et les jugements des bébés chrétiens parce que tu n'es plus un enfant. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie ce soir. Nous allons terminer avec ce que nous avons vu tout au long de cette semaine depuis mardi. Euh, nous allons donc terminer avec cela euh, et nous sommes en train de voir euh, comment Dieu favorise le chrétien, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ça sera la fin de cette série d'enseignements. Nous avons déjà mis les fondations, n'est-ce pas, de, euh, et la base de tout ce que nous allons discuter ce soir. Et ce soir, nous allons donc conclure en comprenant à la lumière de 1 Corinthiens chapitre 12 2 Corinthiens chapitre 12 verset 1 à 12 et Galates chapitre 4 des versets 13 à 15. Nous allons finir par comprendre comment Dieu favorise dans la réalité le chrétien. Mais avant toute chose. Avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer de cette terre le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth gardez l'écoute à tout à l'heure Nous avons certainement posé des actes pour tes ennemis à blasphémer ton nom. Nous avons certainement manqué à être obéissant, mais nous te demandons pardon, Père éternel. Nous te demandons pardon parce que tu es un Dieu compatissant. Je te demande pardon, Père éternel, et je prie que tu me permettes de venir en ta présence avec mes frères et mes sœurs. Que tu me permettes de venir en ta présence avec ce troupeau que tu m'as confié. Que tu me permettes. De venir en ta présence avec tes fils et tes filles pour pouvoir nous asseoir à tes pieds et écouter ce que tu as à nous communiquer afin de nous aider à nous rapprocher davantage de cette couronne, la couronne que tu as promis à ceux-là qui vont marcher dans la conformité de ta parole et qui vont être obéissants juste. Car la fin, car ta parole dit que à celui qui vaincra, tu donneras la couronne éternelle. Père éternel, nous ne venons pas vers toi parce que nous avons le choix. Nous venons vers toi parce que tu es le seul Dieu que nous connaissons. Donc si tu nous repousses, si tu nous chasses, alors nous serons perdus et nous ne serons pas où partir. Peut-être les autres connaissent des dieux, mais nous savons que quels que soient les dieux qui le disent, qu'ils sont des dieux, ces dieux-là ne sont que la fabrication et l'imagination de leurs pensées. Mon Dieu, mon roi, ces dieux ne sont que la fabrication de la main d'homme. Mais toi, tu es un Dieu attentif. Tu es le Dieu qui avait dit à ton serviteur Moïse que tu as entendu les cris de tes enfants. Et que tu es venu l'envoyer pour aller les délivrer de la maison de servitude. Tu es également le même Dieu qui avait dit à Abraham que les cris contre Sodome sont arrivés à toi et que tu descends pour aller vérifier ce qui a été reçu à ton niveau. Père éternel, nous savons par cela que tu écoutes lorsque tes enfants crient à toi. Nous savons que tu es attentif. Donc ce soir, nous prions que tu sois attentif. À nos supplications, sois attentif à nos prières et ne permet pas à nos âmes de connaître la corruption. Aide-nous, Père éternel, à nous conformer à ta parole. Et si nous avons manqué jusqu'à présent, aide-nous seulement, communique-nous ton esprit. Et donne-nous la force nécessaire pour résister. Donne-nous la même force que tu as donnée à ceux-là qui nous ont précédés, ceux-là qui ont été courageux jusqu'à la fin. Nous te disons merci de ne jamais mépriser nos rendez-vous de la semaine. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen. Donc euh, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa présence dans ce studio une fois de plus ce soir. Nous le remercions parce qu'il est Dieu, nous le remercions avec euh, toutes nos excuses une fois de plus. Euh, je pense qu'il y a eu euh, un changement au niveau de YouTube, au niveau de leur serveur, ce qui rend euh, la, trans la retransmission en direct, n'est-ce pas, un peu compliquée. Et euh, je pense que je vais essayer de voir. J'ai cru que le problème était résolu en journée, mais je me rends compte que nous ne sommes toujours pas en direct, malgré euh, euh, tous les petits changements que j'ai faits au niveau du logiciel de production. Euh, Peut-être si ça persiste, euh, nous allons plutôt partir en direct sur Facebook, n'est-ce pas, dans les jours à venir, et publier sur YouTube avec un retard. Okay? Donc si cela persiste, euh, nous, allons, nous serons obligés de bien. Euh, être plutôt en direct, n'est-ce pas, sur notre page Facebook, qui est d'ailleurs ce que le, le, le frère Pierre recommande depuis. Mais la seule raison pour laquelle nous restons sur YouTube, euh, c'est seulement pour les questions de facilité technique, euh, pour que je puisse avoir un peu plus de temps. Mais depuis hier, nous avons ce problème, n'est-ce pas, et vous pouvez seulement nous écouter maintenant, seulement à la radio. Euh, malgré tout ce que euh, j'ai fait à ce niveau et il n'y a pas vraiment le temps pour moi euh, n'est ce pas je ne suis pas en train de récupérer le signal à mon niveau euh, ce qui veut certainement dit que vous n'êtes pas aussi en train de récupérer le signal n'est ce pas à votre niveau euh, dommage ok dommage euh, nous allons euh, nous contacter encore de l'audio ce soir n'est ce pas euh, et nous savons également qu'il y a euh, quelque chose de très important. Et je pense que euh, j'ai dû faire un enseignement là-dessus, euh, ce qu'on appelle la loyauté. C'est quoi la loyauté La loyauté, c'est que tu décides par toi-même de faire, de marcher avec quelqu'un, n'est-ce pas Tu décides par toi-même. Par exemple, tu vois une jeune fille en route et tu, tu l'aimes, n'est-ce pas Ton âme est attirée par, par elle. Et tu dis, oh, je veux que tu deviennes ma femme. Et tu arrives à la convaincre après beaucoup de décès. Et finalement, euh, elle réfléchit, elle réfléchit. Finalement aussi, elle tombe sous ton charme et vous décidez de faire votre vie ensemble. Et tu lui fais la promesse, n'est-ce pas, de l'aimer. Parce que quand tu as commencé le premier jour, c'est ce que tu lui as dit de toutes les façons. Okay? Ou alors, lorsque cet homme t'a parlé et qu'il a dit qu'il voudrait que tu sois sa femme. Euh, tu connais la responsabilité d'une femme. ça veut dire que c'est être avec n'est-ce pas ton mari. Mais ce qui se passe c'est que après euh, tu peux euh, euh, commencer à regarder à côté. ça veut dire quoi ça veut dire que tu es un homme et tu commences à regarder une autre femme ou tu es une femme, euh, tu n'écoutes plus ton mari. Maintenant on dit que tu n'es pas loyal pourquoi? Parce que lorsque tu t'es engagé dans cette relation, le mariage, c'est une question de loyauté. On se comprend. Je prends seulement le cas du mariage. C'est la même chose avec les affaires. Lorsque tu as décidé de faire les affaires avec quelqu'un, n'est-ce pas? Vous vous êtes engagé à faire les affaires ensemble. Okay? Tu dois être loyal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois euh, faire tout pour défendre cette relation-là. Okay? Tu dois faire tout pour que ça marche. Maintenant, si par exemple tu es au service de quelqu'un, okay, tu dois être loyal à la personne. Okay? Si tu vois que tu ne peux plus être loyal à cette personne, tu démissionnes. Mais tu ne peux pas rester au service de quelqu'un en lui manquant de loyauté. Cela s'appelle la trahison. Si par exemple tu as choisi de marcher avec un pasteur, et que le pasteur là te fait confiance. Maintenant supposons que il fait des choses qui sont louches. OK Et tu te rends compte qu'il fait des choses qui sont louches. Ce que tu dois normalement faire c'est de démissionner, c'est de lui dire que je ne peux plus travailler avec toi. On se commence à lui dire que je ne peux plus travailler avec toi. OK Ça ça ce n'est pas ça, ce n'est pas un manque de loyauté. C'est que tu as constaté que vous ne pouvez plus faire chemin ensemble. Bon mais si tu restes à son service et que tu... Euh, je ne sais pas comment je peux euh, dire ça. Et que tu passes le temps à dévoiler ses secrets ou alors à ne pas faire ce qu'il te demande de faire. Cela s'appelle de la trahison. Pourquoi Parce que lui, il te fait toujours confiance. Alors que c'est toi qui as changé d'avis. C'est la même chose dans le cas du mariage. Si tu vois que une femme ne te plaît plus, ok Bien évidemment, si tu es un chrétien... Ce que tu dois faire, c'est de prier seulement par rapport à ça, pour que le Saint-Esprit touche ton cœur, pour que ton amour, et c'est possible, je vous ai raconté comment euh, j'avais prié au Seigneur pour qu'il enlève le goût des médicaments dans ma bouche. Ok, qu'il enlève, c'est possible. Tu peux prier. Donc, c'est très important d'être loyal. Parce que quand tu n'es pas loyal, n'est-ce pas, c'est un péché. Ok, quand tu n'es pas loyal, c'est un péché. La loyauté est une vertu. Et la loyauté, c'est un devoir ou c'est le devoir du chrétien. Pourquoi Parce que le concret de la loyauté, c'est la trahison. Et un chrétien ne doit pas avoir un comportement déloyal. Si tu travailles avec quelqu'un, tu travailles avec la personne. Si tu ne veux plus travailler avec la personne, tu dis à la personne, je ne veux plus travailler avec toi. On se comprend. Même chose dans les affaires. Je suis juste en train de prendre quelques exemples qui sont un peu explicites pour que vous compreniez. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas loyaux du tout. Ils sont dans les affaires avec quelqu'un et ils commencent à faire des choses derrière leur partenaire. Ça, c'est manquer de loyauté et ça, c'est la trahison. Et dans ce cas-là, n'est-ce pas, on peut te tuer. L'ennemi a le droit de te persécuter. On se comprend. L'ennemi a le droit de te persécuter. Donc, c'est important d'être loyal. Est-ce qu'on se comprend? C'est important d'être loyal. C'est important d'être loyal à ta société. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas travailler dans une société et donner les marchés à une société concurrente. Tu ne peux pas le faire. C'est manquer de loyauté parce que cette société te paye déjà pour faire le travail et ta loyauté doit t'amener à faire rentrer de l'argent dans ta société. Ça, c'est ce qu'on appelle la loyauté. Mais tu ne peux pas être dans un domaine d'activité et donner les marchés à une autre société pour qu'on te donne de l'argent. Ça, c'est manquer de loyauté. Et ça, c'est un péché. On se comprend parce que Dieu voudrait que nous soyons fidèles. Dieu voudrait que nous soyons, n'est-ce pas, euh, loyaux avec un, à nos patrons, n'est-ce pas, ou à, aux gens, aux prochains. Okay? Ça, c'est important. Uh, hier, uh, nous avons uh, épluché avant-hier le deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 12, des versets 1 à 12. Et nous nous sommes arrêtés sur notre verset principal. Nous nous sommes arrêtés sur notre verset principal qui était le verset 7. Et nous allons relire ce passage encore ensemble, 2 Corinthiens chapitre 12. Nous lisons le verset 7, n'est-ce pas? La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7 que et de peur que je ne m'élevasse trop à, à cause de l'excellence de mes révélations, il m'a été mis dans la chair une écharde, un ange de Satan pour me souffléter afin que je ne m'élève point. OK, c'est ça euh, le, le centre de cette série d'enseignements sur comment Dieu favorise il le chrétien C'est vrai. Euh, si tu n'as pas un certain niveau, tu peux chercher fatigué dans ce verset pour voir comment Dieu favorise le chrétien. Tu ne vas jamais rien voir dessus. Okay? Bien évidemment, c'est parce que tu es un enfant, mais je sais que ce ministère et euh, la centaine de personnes qui nous écoutent de façon fidèle euh, n'est pas bébé, donc ils comprennent. C'est -ce pour ça qu'on dit toujours que la Bible est un livre spirituel. La Bible n'est pas un livre de littérature. On se comprend. Donc, euh, et euh, mardi, nous avons lu de façon détaillée euh, des chapitres 1 à 1 à 12 et je me suis arrêté euh, plusieurs fois et nous sommes euh, beaucoup restés focalisés sur euh, l'infirmité. Et, et hier, euh, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait un tour du côté de Corinthe et nous avons compris que euh, la ville-État, n'est-ce pas, c'était comme une ville-État, n'est-ce pas, parce que c'était une forteresse, c'était une principauté. La ville de Corinthe, n'est-ce pas, se trouvait dans l'isthmus euh, euh, du. Péloponnèse, n'est-ce pas? Le Péloponnèse, ok? Le Péloponnèse, 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 ok? Donc ça se trouvait, n'est-ce pas, dans le Péloponnèse, n'est-ce pas? Le Péloponnèse étant comme, euh, comme euh, une partie euh, euh, du territoire euh, grec euh, dans euh, l'océan, Atla... pas l'océan Atlantique, la mer Méditerranée. Et nous savons que d'un côté, il y avait ce qu'on appelle la mer Égée et de l'autre côté, n'est-ce pas? Euh, la mer Méditerranée. Et nous avons vu, n'est-ce pas, que l'Ismus était euh, le poumon euh, nourricier euh, de la ville de Corinthe. Et nous avons également vu que Corinthe, euh, lors de l'Empire byzantin, était la capitale de la province de la nous lors de l'Empire byzantin. Et nous avons également compris que l'Empire byzantin, c'est la partie orientale de l'Empire romain, qui avait pour capitale euh, euh, Constantinople qui est de nos jours Istanbul, et ça c'est en Turquie. Et hier également, euh, le voyage que nous avons fait du côté de Corinthe nous a permis euh, de voir euh, également la ville de Thessalonique, qui euh, elle se trouve au nord de la Grèce, ou en, plus précisément en Macédoine. Et également, nous avons vu que ces villes-là, n'est-ce pas, sont de l'autre côté de la mer, parce qu'à l'opposé, au niveau de l'Asie mineure, euh, nous avons vu euh, les, les, les sept villes. Que Jésus utilise pour nous raconter une histoire. Et ça, c'était euh, les villes, euh, ce qu'on appelle euh, les, les sept églises, donc euh, Éphèse, euh, Thyatite, euh, Sardes, Éphèse, euh, Philadelphie euh, et les autres villes. Ok. Donc, euh, euh, ce que nous allons donc faire ce soir, euh, c'est que euh, nous allons seulement bâtir sur cette fondation puisque après avoir parcouru euh, la ville de Corinthe euh, et après avoir vu la séparation entre Corinthe et les, la galaxie, Galatie la Galatie n'est-ce pas qui est, la Galassie qui est un peu plus n'est-ce pas du côté de l'Asie euh, nous avons nous sommes rentrés dans notre passage principal n'est-ce pas euh, qui est 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7 et nous avons donc en regardant la même euh, un autre épître de Paul cette fois-ci, qu'il a envoyé aux gens de Galate, n'est-ce pas, qu'il a envoyé aux chrétiens qui étaient à, à, en Galatie, nous avons compris que l'infirmité dont souffrait Paul n'était pas la persécution. On se comprend que cette infirmité n'était pas la persécution. Et pour, juste pour euh, conforter, ou alors pour rappeler et voir ce que Paul a dit, nous allons repartir dans Galate, n'est-ce pas, qui est l'un de mes livres favoris. Galates chapitre 4, et nous partons au verset 13, n'est-ce pas? Où Paul dit, a dit que vous ne m'avez fait aucun tort, et vous savez que je vous ai annoncé ci devant l'évangile dans l'infirmité de la chair, n'est-ce pas? Dans l'infirmité de la chair, dans l'infirmité de la chair, n'est-ce pas? Dans l'infirmité de la chair. Et la Bible dit que, et vous ne m'avez point méprisé ni rejeté à cause de ces épreuves que j'ai dans ma chair, ok? J'ai dans ma chair, dans ma chair. N'est-ce pas Mais vous m'avez reçu comme un ange de Dieu et comme Jésus Christ, n'est-ce pas Qu'est-ce donc qui faisait alors votre bonheur Car je vous rends témoignage que si lui était possible, vous vous fussiez arraché les yeux, vous vous fussiez arracher les yeux pour me les donner. Et nous avons compris que cette infirmité dans la chair là, c'est que Paul avait les problèmes de vision. Okay? Et nous pouvons affirmer, et sans aucun risque de nous tromper, que ce problème-ci est la conséquence de sa rencontre avec jésus christ et nous avons donc expliqué hier que lorsque dieu nous appelle ok et qu'il a un plan merveilleux pour nous il s'arrange toujours à ce que nous nous éloignons parce qu'il connaît que l'ennemi numéro un du chrétien c'est quoi c'est l'oubli ça c'est l'ennemi numéro un du chrétien c'est l'oubli ou alors l'ennemi numéro un de l'être humain c'est pour cela que tu peux rendre service à une personne mille fois. Mais le jour que tu lui fais ce qui n'est pas bien, il va oublier tout le bien que tu as fait. Pourquoi? Parce que c'est facile à l'être humain d'oublier. Donc Dieu s'arrange souvent pour que nous n'oublions pas. Et c'est ce qui fait que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu, il y a ce qu'on appelle une traversée de désert. Il y a d'abord une période de grâce où tout marche pour toi. Okay? Tout marche. Les choses sont bien, 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 bien. Et après, il t'envoie dans le désert. Okay. Le but de t'envoyer dans le désert, c'est de t'enseigner ses lois et ses ordonnances dans cette période de difficultés que tu traverses. Maintenant, dans le cas de Paul, et nous avons compris, et je reviens là-dessus parce que c'est très important de comprendre que les chades dont il est question, c'est une infirmité de la chair. Et c'est au niveau de ses yeux, parce que nous pouvons affirmer. C'est vrai qu'il avait dit à Ananias d'aller à la rue de la droite, n'est-ce pas, voir un certain Paul de Tasse et prier pour lui. Mais je vous ai dit que c'est facile si tu n'es pas quelqu'un qui a... Parce que je vous ai dit que la Bible, c'est un livre spirituel. Et Dieu nous parle beaucoup plus efficacement par l'expérience. On se comprend. Donc, c'est un peu cela. Donc, Paul, même comme on avait prié pour qu'il recouvre sa vue, ok il n'avait pas recouvré sa vue totalement. Il n'avait pas recouvré sa vue totalement. Et nous allons comprendre ce soir que... Jésus l'a fait pour son bien. Et c'est pour cela qu'il dit d'ailleurs, ok, si nous retournons dans 1 Corinthiens chapitre 12, euh, et que nous regardons le verset euh, 2 Corinthiens. Oh, J'ai dit 2 Corinthiens, j'appuie 1 Corinthien. 2 Corinthiens chapitre 12. Et si nous regardons le verset... Okay, le verset 7, toujours, n'est-ce pas? Il dit De peur que je ne me levasse trop à, à cause de l'excellence de mes révélations, il m'a été mis dans la chair une écharde, un ange de Satan pour me souffléter afin que je ne me lève au point. Trois fois j'ai supplié le Seigneur de m'en délivrer, mais il m'a dit Ma grâce te suffit, mais ma force accomplie dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités afin que la faiblesse. Force de Christ habite en moi. Ok, je me glorifie. C'est pourquoi je me complète dans les infirmités. Ok, je me complète dans les infirmités, dans les opprobes, dans les misères, dans les persécutions. Et nous voyons donc ici là que ce passage fait bien la différence entre infirmité et persécution. Et c'est ça que je voulais surtout souligner parce que je sais, je vous ai dit que ce n'est pas un tort qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui ont tendance à confondre les chardes que Paul avait reçu dans la chair avec les persécutions. Okay? C'est différent. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous faisons, n'est-ce pas, l'étude biblique, parce qu'il faut comprendre que c'est différent. Et en introduction, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens chapitre 12, euh, nous avons vu, euh, 1 Corinthiens chapitre 13, nous avons vu nest ce qu'il y a des niveaux de compréhension différents. Quand tu es un enfant, tu réfléchis, tu penses comme un enfant, tu juges comme un enfant. Mais lorsque tu atteignes, tu grandis, tu dois laisser ce qui est de l'enfant. Okay? Donc, on peut expliquer ça à quelqu'un qui est bébé chrétien, n'est-ce pas, que ce sont les persécutions. Okay? Il va comprendre à son niveau. Mais quand tu grandis, tu dois être capable de comprendre les choses différemment. Okay? Bon, maintenant, ce que nous voulons comprendre, n'est-ce pas, euh, ce soir, n'est-ce pas, dans cette conclusion, c'est euh, le danger de l'orgueil. Okay. Allons un peu dans Proverbe chapitre 16, versets 18 à 19. Proverbe chapitre 16, nous allons lire les versets 18 et 19. Okay. Proverbe chapitre 16, versets 18 à 19. La Bible dit que l'orgueil va devant l'écrasement et la fierté d'esprit devant la ruine. Il vaut mieux être humble avec les débonnais, ça veut dire avec les pauvres, que de partager le butin avec les orgueilleux. Maintenant, Proverbe chapitre 7, verset 8 dit que l'orgueil va devant l'écrasement. Ça veut dire que l'orgueil devance l'écrasement ou alors l'orgueil précède la chute. Ça veut dire que lorsque tu es orgueilleux, n'est-ce pas, ta chute est certaine. Et lorsque tu es quelqu'un d'orgueilleux, n'est-ce pas, ta mort spirituelle est également imminente. C'est pour ça qu'on dit que et la fierté, la fierté c'est l'orgueil. Et la fierté d'esprit, n'est-ce pas, devant la ruine. Ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque Dieu t'appelle et qu'il te donne certains dons spirituels, le meilleur moyen pour lui de t'aider, et c'est ça que nous appelons de te favoriser, c'est de s'assurer, n'est-ce pas, de te faire quelque chose qui va t'empêcher de t'enorgueillir. Est-ce qu'on se comprend? De faire quelque chose qui va taper, je t'enorgueille. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit est en train de me donner l'exemple, par exemple, de mon mentor, okay? le prophète Georges. Lui, c'est un prophète. On se comprend? Lui, c'est un prophète. Okay? Lui, c'est un prophète de Dieu. Et je peux vous dire qu'il est le prophète parce que je le connais, parce que je suis, je pars chez lui, que dans sa chambre, je pars dans tous les coins et recoins. Même les mots de passe, tout ce il me donne. Est-ce que vous comprenez? Même sa chambre où il dort, même là où il garde ses chaussures, et ses... il me permet d'entrer là-bas. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, le prophète Georges a un seul enfant. Vous comprenez? Il a un seul enfant avec une femme. Dans notre église, nous avons la réputation de prier pour les femmes qui n'accouchent pas. Ça veut dire qu'il y a des gens dans notre église, notre euh, organiste principal par exemple, pendant 17 ans de mariage, il n'a pas eu d'enfant. Et aujourd'hui, il en a, je crois, quatre. Et la responsable de l'une de, des de, 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 de choristes, n'est-ce pas, la responsable, aussi a fait presque, je ne sais pas si c'est 12 ans ou 13 ans de mariage, sans enfant. Aujourd'hui, elle en a deux. Et il y a également certains de vos sœurs, n'est-ce pas, qui ont la grâce d'être ici à New York avec moi, qui, qui me suivent dans cette église-là et qui avaient également les problèmes d'accouchement et qui ont accouché. On se comprend. Bon, maintenant, mais lui-même, il a un seul enfant. Est-ce que tu comprends Lui-même, il a un seul enfant. Maintenant, si tu n'es pas quelqu'un de spirituel, tu vas te dire, ou alors si tu n'avais pas suivi cet enseignement-ci, tu vas te dire, mais comment lui, il prie et les gens accouchent et lui, sa femme n'accouche pas. Est-ce qu'on se comprend Est-ce que tu vois un peu Pourquoi Parce que c'est la même chose que Paul est en train de dire aux gens de Galates, que qu'ils ne l'ont pas méprisé à cause de cette infirmité. Ils ne l'ont pas méprisé à cause de cela. Ils ne l'ont pas méprisé parce qu'il était... Parce que les gens de la galaxie pouvaient dire que Vois-moi, toi tu viens nous parler que Jésus fait les miracles toi-même là tu ne peux pas soigner tes yeux est-ce que tu comprends oui c'est un peu cela donc ceux qui ne, peuvent, qui ne comprennent pas que Dieu dans la réalité favorise maintenant quel peut donc être le sentiment du prophète de la même façon que le sentiment euh, de Paul c'est de toujours c'est que cet événement là elle là pour les humilier. Ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsqu'ils pensaient à cela, je ne sais pas si je le retour dans mes oreilles, tout est fermé là-bas bas. De façon que lorsqu'ils pensaient à cela, que ça les empêche de s'enorgueillir, de dire que oh je suis un très grand prophète. Parce qu'il y a quelque chose que le Dieu va s'arranger pour qu'ils se rappellent eux-mêmes. La même chose avait le cas de Paul. Pourquoi Parce que la Bible nous dit clairement, et mon épouse va encore vous remontrer ça dans Proverbes, chapitre 16, verset 18, que l'orgueil va devant l'écrasement. Et la fierté d'esprit devant la ruine. C'est pour cela que lorsque tu vois un homme de Dieu qui est orgueilleux, c'est facile pour toi de déterminer l'esprit qui le guide, qui le dirige. Ok Quand tu vois quelqu'un qui est orgueilleux, c'est facile pour toi de détecter ce qui le dérange. Ou alors, si tu es une femme et que Dieu t'a appelé dans le ministère, ok Dieu va s'arranger pour qu'il y ait quelque chose sur toi, pour qu'il y ait quelque chose dans ta vie pour t'humilier, pour t'aider à rester, à te rabaisser. C'est si bien évidemment, tu as été envoyé par lui. Je dis bien, nous sommes ici en train de parler des vrais chrétiens. Nous ne parlons pas de ceux qui vont en Inde. Nous ne parlons pas des gens qui ont laissé les marécages pour ouvrir les églises et dire qu'ils sont des pasteurs. Nous parlons ici là des vrais chrétiens, des vrais serviteurs de Dieu. On se comprend. Bon, maintenant, la Bible nous... Euh, dit d'ailleurs dans Jacques euh, chapitre 4 verset 6, si nous repartons là-bas, Jacques, euh, parce que Jacques a cité dans la réalité, Jacques a cité le proverbe euh, 137, mais Jacques dit dans, dans Jacques chapitre 4 verset 6, la Bible dit que, au contraire, n'est-ce pas, au contraire, parlant de Dieu, il accorde une grâce plus grande. C'est pourquoi l'écriture dit, Dieu résiste aux orgueils, mais il fait grâce aux humbles. Ça veut dire quoi, lorsque tu es orgueil n'est-ce pas La Bible dit que Dieu ne te supporte pas. Bon, cette partie-ci-là, pour mieux comprendre Dieu résiste aux engueux, mais fait grâce aux humbles. il est important d'aller plutôt là où le passage que Jacques a cité, n'est-ce pas Jacques, ici, bien évidemment, c'est le petit frère de Jésus-Christ, ok Ça, c'est le petit frère de Jésus qui dirigeait l'Église après le départ de Jésus. Pour comprendre cela, c'est au Somme 137, n'est-ce pas Dans la, dans la tradition d'Osterval, c'est le Somme 137. Dans certaines Bibles, ça peut être que 136, je ne sais pas mais nous, notre Bible officielle, c'est euh, la version d'Osterval. Donc, si tu pars dans le psaume 137, verset 6, voilà en réalité ce que la Bible dit. N'est-ce pas? Somme 137, verset 6. N'est-ce pas? La Bible dit, bon, c'est un peu ça, parce que moi, la version que j'ai. Oui, c'est justement ça. La version que j'ai m'envoie dans le psaume 137. Mais euh, si nous regardons un peu le 136, parce que vous savez qu'en fonction de la personne qui a écrit. Euh, bon, 136 ne me donne rien. Donc, si je pars à 138, parce que vous savez que parfois les applications. Ok, donc c'est. Oui, ici là c'est 138. Donc, le Somme 138, je ne sais pas euh, comment celui qui a développé l'application au stéréoval chez toi va te donner. Mais c'est soit 136, soit 137, soit 138, n'est-ce pas? Verset ben si 6 dit que Car l'éternel qui est haut élevé. Voit celui qui est abaissé. Et il aperçoit de loin celui qui s'élève. Ok, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu t'élèves ou quand tu es orgueilleux, n'est-ce pas C'est comme si tu étais au même niveau que lui. Et la Bible dit qu'il te voit de loin. Mais lorsque tu es en bas, parce que lui il est en haut, il veut te regarder en bas et il dit que ses yeux sont sur. C'est pour ça que la Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux. C'est le passage que Jacques cite dans la réalité. Parce qu'il dit que c'est pourquoi l'écriture dit, n'est-ce pas, car l'éternel qui est haut et élevé voit celui qui est abaissé. Et il aperçoit de loin celui qui s'élève. Bon, maintenant, nous savons bien que c'est une tendance naturelle pour quelqu'un qui a réussi, ou bien quelqu'un qui est riche, n'est-ce pas, de montrer sa richesse, n'est-ce pas, de se vanter de sa richesse. Mais Dieu sait que c'est un danger. Okay, Dieu lui, il sait que c'est un danger. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait donc? OK. Ce qu'il fait donc, c'est que, dans le cadre de Paul, parce que c'est le cadre de Paul que nous sommes en train de prendre comme notre passage principal, il met une charge dans ta peau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il, il laisse quelque chose dans ta vie qui va t'amener tout le temps à te remettre en cause. On se comprend? Il met quelque chose sur toi qui va t'amener tout le temps à te remettre en cause. Le but principal étant, dans la réalité, de te favoriser. Parce qu'il va te rappeler à chaque instant ce que tu n'as pas. Ou alors, il va te rappeler à chaque instant ce que tu fais qui n'est pas bien. Et donc, tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se débarrasser de certaines choses. Ça ne dépend pas des efforts qu'ils font, même s'ils jeûnent même à sec pendant une semaine. Ils vont se rendre compte qu'ils arrivent à supporter ou à résister à cela pendant un mois, pendant trois mois, pendant un an, mais après, ils retombent encore dedans. Ce n'est pas qu'ils sont possédés. Non, c'est parce que dans la vie de chaque personne, Dieu laisse quelque chose là-bas, seulement pour confirmer ce qu'il a dit à, à, à Paul. Euh, ici, là, toujours dans 2 Corinthiens, chapitre 12, n'est-ce pas? Lorsqu'il a dit à Paul, lorsque Paul a dit, a dit qu'il a supplié, n'est-ce pas? Et il a dit à Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, que ma grâce te suffit car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu te rends compte qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à te débarrasser, ça veut dire que quelque chose qui peut te, qui peut te faire atterrir en enfer. La Bible dit que c'est là où Jésus est glorifié dans ta vie. Parce que ça t'amène à comprendre que tu dois dépendre de lui. Ça t'amène à comprendre que tu dois dépendre de lui. C'est facile pour moi de vous expliquer cela parce que de la même façon que Paul, j'ai presque traversé les mêmes étapes. On se comprend, j'ai presque traversé les mêmes étapes que lui. Ce n'est pas parce que je vous ai parlé tout à l'heure de, de, de mon mentor, n'est-ce pas, ou bien de Paul, moi-même, cap, mon cas particulier. N'est-ce pas Parce que lorsque le Seigneur m'a guéri, j'ai posé plusieurs fois la question, n'est-ce pas, que... Puisque je vois des gens qui viennent dans notre église avec pratiquement les mêmes maladies que moi, avec le cancer, et dans tout le désespoir, et ils guérissent. Je dis, dans notre église, nous avons les services de délivrance les vendredis. Et j'ai déjà tellement vu des miracles dans cette église-là. Ils viennent à l'église, on les a diagnostiqués du cancer, et c'est pour ça que quelqu'un leur a parlé de notre église, certainement en disant, que, oh, je connais une église, il y a un monsieur là-bas, il avait le cancer, on me dit qu'il parle dans telle église, ils viennent aussi. Et ils repartent, le prophète leur dit que va à l'hôpital, on va te tester, on ne va rien voir. Et ils partent, le cancer a disparu. Et une fois, pendant que je méditais à cela, j'ai dit à Seigneur que, Seigneur, je suis aussi venu la même église. Mais pourquoi tu as permis que moi je traverse tout ça la, Les radiations, la chimiothérapie, chirurgie après chirurgie. Et pour qu'on coupe, on enlève tellement les choses dans mon corps. N'est-ce pas Et pendant que je me posais la question un jour, L'esprit que j'ai reçu m'a donné la réponse et j'ai remercié le Seigneur pour cela parce que en fait j'avais compris que le Seigneur a permis n'est-ce pas que je traverse certaines de ces en fait pour me favoriser donc pour m'aider à ne jamais oublier d'où je sors on se comprend pour m'aider parce que quoi parce que et également n'est-ce pas pour m'amener à toujours comprendre mes limites. Et cette compréhension m'amène tout le temps. Ce n'est pas que va m'amener, puisque je suis en train de parler de moi-même. Donc cette compréhension m'amène toujours à me rabaisser. Par exemple, l'une des raisons pour lesquelles je respecte beaucoup parmi vous, par exemple, c'est parce que vous avez la foi en Dieu sans avoir traversé ce que j'ai traversé. Ce qui me fait la plupart du temps respecter beaucoup, n'est-ce pas, des personnes que j'enseigne. Parce que ces gens-ci ont plus de foi que moi. Moi, j'ai atteint ce niveau parce que j'ai souffert. Mais eux, ils sont bien. Ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ça. Mais eux, ils croient en Dieu, ils servent Dieu dans la fidélité. Ça veut dire dans la réalité qui te dépasse. Mais je me, n'est-ce pas, je me, ça veut dire que je me réconforte. Avec l'idée que Dieu, en réalité, en me permettant de traverser tout cela et en laissant tous ces trucs sur moi, n'est-ce pas, c'est une façon pour lui de me favoriser. Ce qui fait quoi Ce qui fait que mes limites ne m'amènent jamais à en vouloir à Dieu. Mes limites m'amènent plutôt à le remercier. C'est la même chose, par exemple, avec toi qui me regardes, qui peut-être a fait un accident un jour et qui a eu le pied coupé. Tu peux te dire que, mais Seigneur Jésus, pourquoi est-ce que tu as permis qu'on coupe mon pied N'est-ce pas Non, dans la réalité, le pied qui est coupé là, c'est une faveur que Dieu t'a accordée. Parce que connaissant ton cœur, il savait que s'il ne permettait pas qu'on coupe ton pied, la probabilité pour que tu retournes dans le monde était très grande. De la même façon que toi qui es couché sur le lit d'hôpital là et que tu m'écoutes, quelqu'un te fait écouter cette vidéo. La raison pour laquelle Jésus te maintient là-bas, c'est parce qu'il connaît ton cœur. Parce qu'il sait qu'il a été très difficile pour toi de l'accepter comme Seigneur et sauveur personnel alors qu'il t'a choisi, il t'a appelé. Et le seul moyen de te favoriser, c'est de te laisser dans cet état-là. Parce que s'il te fait sortir de là, la probabilité pour que tu retournes dans le monde et que tu oublies ces bienfaits et toutes les séances de prière de tous ces pasteurs qui viennent prier pour toi, la probabilité est très grande. Nous allons partir dans Isaïe chapitre 14. Juste pour comprendre et pour, pour euh, renforcer ce que je suis en train de dire. Allons dans Isaïe chapitre 14. Ils lisons à partir du verset 10. OK, Isaïe chapitre 14, verset 10. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que tous ils prennent la parole. Et te disent, toi aussi te voilà sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue au sépulcre avec le son de tes lits. Et tu es couché sur une couche de verre et la corruption est ta couverture. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, ça veut dire Lucifer, fils de l'aurore. Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux. j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'Assemblée aux régions lointaines de l'Aquilon. N'est-ce pas? Ce passage est en train de nous montrer comment le diable a été chassé. La Bible dit qu'il avait dit dans son cœur qu'il devait établir son trône. Il devait établir son trône au même niveau que Dieu. La Bible dit que il avait dit qu'il devait mettre son trône. Il, il voulait se faire adorer parce que chaque fois que tu parles des étoiles, je vous ai dit que les étoiles ici, c'est le symbole des chrétiens, n'est-ce pas Les étoiles quand on dit que les cinq, n'est-ce pas Les étoiles les cinq quand tu rêves, tu vois les, ce sont les cinq, ok Donc il voulait se faire adorer et il avait eu cette pensée là. Et dès que la pensée était entrée, c'est là où sa chute était venue. Et c'est là où on l'avait chassé. Donc, c'est pour cela que la Bible nous a dit tout à l'heure dans le psaume 138, n'est-ce pas, dans la version, euh, la Bible de Servant, ce que j'ai ici là, n'est-ce pas, je pense que c'était 138, verset 6, que Dieu regarde en bas et regarde de loin ceux qui sont à son niveau. Et lorsque tu veux te lever, ce que tu fais en réalité, c'est que tu es en train de demander aux gens de t'adorer, comme euh, l'une de vos sœurs m'a envoyé une vidéo, je ne sais pas si j'ai partagé ça dans. Je pense que j'ai partagé ça sur euh, le forum euh, WhatsApp du ministère, n'est-ce pas? Ce pasteur qui euh, se faisait jeter l'argent au pied, On se comprend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des gens ou il y a des hommes de Dieu qui ont arraché l'église à Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont commencé le business avec Jésus, ou alors Jésus les a invités à venir travailler pour eux, et ils sont venus arracher l'église, partir avec. La même chose que vous voyez parfois dans beaucoup d'églises, il y a des gens qui viennent dans une église, et ils veulent arracher l'église du pasteur. Ça veut dire qu'ils ne savent pas comment l'église a commencé. Ils viennent, ils commencent aussi à faire quelque chose, les gens commencent, le diable euh, arrive à corrompre leur cœur, et il se rend compte que les agents sataniques qui remplissaient l'église commencent à l'apprécier. Il se dit qu'il peut maintenant, qu'il est maintenant plus important que le pasteur principal. Et c'est pour cela que nous voyons beaucoup de pasteurs qui arrachent, n'est-ce pas, les églises à d'autres pasteurs. Jusqu'à chasser même, n'est-ce pas, celui-même qui a commencé l'église. Et parfois tu peux te dire, mais parce que c'est si comment Dieu peut permettre quelque chose comme ça. C'est ce que certains pasteurs font à Jésus. Il y a beaucoup de pasteurs qui n'étaient rien, on ne les connaissait même pas. Personne ne les connaissait. Hein. Et ils ont reçu l'onction, et ils sont devenus des pasteurs, des enseignants, des prophètes. Et ils ont commencé des ministères. Et lorsqu'ils commencent le ministère, ils commencent maintenant à faire tout le concret de ce qu'il y a dans la Bible. Et au lieu de diriger les gens à Jésus-Christ, il s'assure que tout le monde s'arrête à leur niveau. Ça veut dire que les gens ne doivent pas de, de, de partir chez Jésus. Et c'est la même mentalité que, Paul avait pour, euh, que Lucifer avait eu. Pourquoi À cause de l'orgueil. C'est pour ça que la Bible nous a dit tout à l'heure que l'orgueil précède la chute. Maintenant, tu vas peut-être dire que, mais, pasteur Christian, pourquoi donc Dieu favorise certaines personnes. Pourquoi Dieu les favorise Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a dans le monde spirituel deux catégories de personnes qui iront au paradis. Il y a deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les élus de Dieu. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une catégorie de personnes que Dieu a élues. Dans la réalité, Dieu ne les a pas élus. C'est seulement parce que euh, vous savez que parfois, lorsque vous voulez expliquer quelque chose, ou alors quand vous voulez parler à, aux gens, vous trouvez, vous essayez de trouver les mots, n'est-ce pas? Ou bien un mot pour pouvoir dire quelque chose. Dans la réalité, lorsqu'on parlait d'élus de Dieu, c'est quoi? Ça veut dire que ce sont des gens, en fait, que Dieu a envoyés en mission sur la terre pour accomplir son agenda. Donc Dieu les a envoyés de façon spécifique, seulement pour accomplir, n'est-ce pas, la volonté de Dieu sur la terre. Ok? Ça, là, Dieu les a élus. Ils sont mélangés avec les autres êtres humains. Nous allons partir dans Matthieu chapitre 24, verset 24, pour comprendre cela. Pour la personne qui ne comprend pas, n'est-ce pas, Matthieu chapitre 24, verset 24. Donc ça nous dit que la Bible dit que car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront des grands signes et des prodiges pour séduire les élus mêmes n'est-ce pas pour séduire les élus même s'il était possible pour séduire les élus même mais ça veut dire qu'il y a des gens qui sont élus il y a des gens que Dieu a déjà élus et je sais que de vouloir vous aider à comprendre que dans la réalité lorsqu'on dit qu'ils sont élus c'est parce qu'ils ont été envoyés sur la terre pour une mission seulement et qu'ils vont retourner à la maison mais la bible dit que certains parmi eux pourront même se faire tromper par les faux prophètes à cause des signes et des prodiges je dis surtout à toi qui pars dans certaines églises et tu vois bien qu'on fait des choses qui ne sont pas bibliques, mais tu restes là-bas quand même à cause des miracles qui se passent là-bas. Il n'y a pas que les, 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 les vrais pasteurs qui font les miracles. Rappelle-toi que lorsque Fa Moïse a jeté son bâton devant le Pharaon, même le Pharaon a appelé ses magistrats, ils ont aussi jeté le bâton. Et tous ces bâtons sont devenus des serpents. Avant que le serpent de Moïse a avalé les autres serpents. On se comprend même lorsqu'il a transformé l'eau du Nil, là, même si les marabouts ont fait la même chose. On se comprend. Donc il ne faut pas croire que quand quelqu'un fait les, les, les petits trucs là, n'est-ce pas, beaucoup vont en Inde. Pour acquérir ces, ces, ces puissances-là, beaucoup parmi eux vont en Inde. Beaucoup parmi eux sont dans des écoles ésotoriques. On se comprend? Donc, ça c'est important de, de comprendre. Donc, ce passage de Matthieu, chapitre 24, 24, nous montre qu'il y a ce qu'on appelle les élus de Dieu. Maintenant. Mais ça ne veut pas dire qu'il qu n'y a que ceux-là qui vont partir au paradis. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Parce que parfois, il y a des gens qui me posent la question que, oh pasteur, est-ce que ça veut dire que Dieu a choisi déjà certaines personnes Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Et pour comprendre ce que ça veut dire, nous allons partir dans Jean chapitre 3, verset 14. Jean chapitre 3, verset 14. La Bible dit que, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit. Et la Bible dit que, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, c'est-à-dire Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque. Afin que quiconque croit. Ne périsse point. Afin que quiconque. Peut-être, tu ne vois pas bien ici. Nous allons faire le copier-coller. N'est-ce pas Vous êtes déjà habitués à ça. N'est-ce pas On fait le copier-coller. Et nous allons mettre ça ici. Et nous allons amener ça euh, à 40. N'est-ce pas Et la Bible dit que quiconque. Donc quiconque, là, je vais souligner en rouge. Pour que nous voyons ensemble. OK Donc la Bible dit que afin que quiconque. Croire en lui, ça veut dire qu'en Jésus-Christ ne périsse point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout être humain est candidat pour le salut éternel. Toute personne. Mais la seule condition, et la condition sine qua non, c'est croire en Jésus-Christ. Et ça veut dire que quoi? Croire en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'obéir au commandement de Jésus. Ça veut dire que quand tu crois en quelqu'un, n'est-ce pas? Si tu crois en moi, tout ce que je te dis, tu vas faire, non? Parce que tu crois en moi. C'est la même chose avec vous, n'est-ce pas, par exemple, mes élèves. Lorsque vous avez des problèmes et que vous m'appelez et je vous dis de faire quelque chose, vous faites. Pourquoi Parce que vous croyez au Dieu que je sais. Et parce que vous croyez que je suis, un, selon vous, un vrai pasteur. Selon vous. Donc lorsque tu crois en quelqu'un, tu fais ce que la personne te dit de faire. Donc tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus. Et Jésus te dit de ne pas voler, tu voles. Jésus te dit de ne pas mentir, tu manques. Jésus te dit de ne pas commettre l'adultère, tu trompes quand même ton mari ou tu trompes ta femme. Et tu dis que tu crois en Jésus, tu ne crois pas en Jésus. On se comprend, parce que tu ne crois pas, tu ne fais pas ce qu'il te dit de faire. Donc ce que nous sommes en train de comprendre, c'est que Dieu favorise le chrétien dans la mesure où il s'arrange à mettre, n'est-ce pas, ou à imputer aux chrétiens, ou à mettre une charde dans la peau du chrétien, à faire quelque chose qui va t'amener à comprendre que sans lui, tu n'es rien. Et dans la réalité, c'est un avantage pour toi. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu la même grâce. C'est pour cela que vous allez voir à l'église. Il y a des gens qui n'ont pas de problème. Ils sont bien, tout ce que je vous dis là, ça ne s'applique pas à eux. Ils travaillent, ils ont une femme, ils ont les enfants, ils ont ceci. Ils n'ont rien, rien ne les dérange. Ça, ils sont dans une position qui n'est pas une position avantageuse. Parce qu'il n'y a rien pour les rappeler ce que Jésus a fait pour eux. Ou pour les humilier. Et c'est pour cela que vous allez vous rendre compte que ces gens-là, la plupart du temps, rétrogradent toujours avant de revenir. Ils rétrogradent. Ils sont toujours en train d'avoir une... Euh, Certaines marchés spirituelles, après rétrograder, après avoir une bonne marche spirituelle, après. Pourquoi? Parce que il n'y a pas quelque chose pour les rappeler. On se comprend, il n'y a pas quelque chose pour les rappeler. Il n'y a pas quelque chose pour les humilier. Il n'y a pas quelque chose qu'ils peuvent regarder et, c et savoir qu'ils ne sont rien. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, ils commencent encore à... Et ils tombent, n'est-ce pas, dans le piège euh, euh, des louanges des hommes. Pourquoi Parce qu'ils sont élégants, ils sont bien portants, ils n'ont pas de problème, ils ont de l'argent, ils ont une bonne voiture, ils ont une maison, ils ont tout et tout et tout, n'est-ce pas Et puis les gens viennent, ils les parlent avec arrogance, ils ont un bon bureau et tout et tout. Et il n'y a rien sur eux que quand ils regardent pour les amener à comprendre que s'ils ne font pas attention, ça sera mauvais pour eux. Est-ce qu'on se comprend Et je sais, si tu m'écoutes et tu sais bien ce que je suis en train de dire, et tu sais que ça s'applique à toi. Donc, si tu es un chrétien qui a, qui a un problème, peut-être il y a quelque chose qui te dérange de façon permanente. De temps en temps, ça te dérange. Dans la réalité, tu dois considérer cela comme un avantage. Parce que Dieu permet ça pour t'aider à ne pas rétrograder. Il permet cela pour que tu comprennes que si tu tentes tu es à la merci du diable. Si tu tentes. Et seulement cette idée-là, dans la réalité, t'aide. Parce que l'idée de savoir que tu peux, n'est-ce pas, redevenir malade. Ou alors la maladie-là peut revenir. Seulement cette idée-là fait que chaque fois quand tu te lèves, tu dis merci mon Dieu de m'avoir accordé un autre jour. Merci pour le souffle de vie. Et ça t'aide à. Et pardon, assois toi Ok, ça t'aide à rester assis. Et pourquoi Parce que la Bible nous a dit que quand tu t'assois, c'est en ce moment qu'il te regarde. Mais quand tu te lèves, il regarde de l'autre côté. On se comprend Donc, dans la réalité, Dieu avait favorisé Paul en permettant. Et comme il a dit à Paul au verset 9, n'est-ce pas Que ma grâce te suffit. Paul, ne regarde pas cette faiblesse, ne regarde pas cette infirmité, parce que c'est à cause de cette infirmité que tu me sers. C'est à cause de cette infirmité que je suis élevé dans ta vie. Et Paul dit que les chrétiens de Galate ne l'avaient pas méprisé à cause de cela. Au contraire, ils avaient reçu Paul comme un ange. C'est pour cela que vous voyez que de nos jours, Dieu permet même aux handicapés d'évangéliser. Maintenant, les gens qui ont le cœur en dieu, je suis persuadé que quand ils voient un handicapé évangélisé et dit que Jésus sauve sauvé, guéri, ils disent dans leur cœur que si Jésus sauve sauvé, guéri, qu'est-ce que tu fais sur la chaise Dis-lui de te sauver, c'est ce qu'ils se disent. N'est-ce pas Pourquoi Parce qu'ils ont le cœur endurci, parce qu'ils ne comprennent pas les choses spirituelles. Mais pour l'handicapé, il comprend qu'il est en train de servir parce qu'il comprend qu'il pouvait mourir. Et que c'est une grâce même qu'il soit encore en vie. Vous comprenez que c'est une grâce même qu'il soit encore en vie. sœur, une de vos sœurs est venue chez moi la, la semaine dernière. Et elle a eu, n'est-ce pas, la grâce, n'est-ce pas, elle, je sais pas, elle avait tellement rêvé, n'est-ce pas, du, du studio, qu'elle qu a dit qu'au passé, je dois prendre les photos dans le studio parce que je veux, n'est-ce pas, machin, ok Donc, elle était dans ce studio. Euh, mais c'est pour ça que je n'ai pas enseigné, j'ai dit dernier, parce qu'il fallait que je, je m'occupe d'elle. Et... Euh, j'ai eu l'occasion de lui montrer euh, ce monsieur que j'ai chez moi, que le Seigneur m'avait fait ramasser dans la rue. Et je lui parlais de ce monsieur. Comment est-ce que la première chose que Dieu transformait dans cette personne. Et un jour, le Seigneur m'a montré quelque chose sur lui. Pas? Et je lui ai dit. Et je lui ai dit, il faut commencer à sortir. Il ne faut pas croire que tu seras totalement restauré pour pouvoir devenir actif. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu dois commencer à être actif maintenant et tu vas te rendre compte que les choses vont commencer à s'enchaîner de façon par elles-mêmes ça sera comme un engrenage et c'est ce qu'il fait tous les jours il se lève il part il fait des choses il devient actif et les gens ont constaté qu'il a changé il est devenu plus potelé quand tu le regardes par rapport à avant n'est-ce pas je regarder mon époux je sais pas si c'est ce que c'est même vrai n'est-ce quand tu le regardes tu vois il est il est en santé tu sens que machin, mais il, il, il n'a pas tout repris. C'est comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il ne faut pas croire que Dieu n'est pas. Il ne faut pas croire que Dieu n'est pas avec toi parce que tu as tel problème. Non. La Bible dit que ma grâce te suffit. Car c'est quand tu es faible que je suis fort. On se comprend. Donc nous sommes donc arrivés au terme de l'étude de vie de ce soir, n'est-ce pas? Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous sommes un ministère d'édification et d'enseignement. Nous ne sommes pas un ministère évangélique. Notre mission, euh, c'est de prendre cela, c'est de à ceux-là qui ont déjà eu certaines marches avec Jésus-Christ, mais qui sont encore victimes de la ruse du diable. Bien que nous sommes ancrés dans une nouvelle saison, une saison, je ne sais pas combien de temps ça va durer, où euh, le, le Dieu qui m'a guéri, le Dieu qui a eu pitié de moi a mis dans mon esprit de vous amener à un niveau élevé euh, afin de vous ramener encore. Pour vous aider, n'est-ce pas, à grandir. Parce qu'en tant que chrétien, on ne doit pas rester au même niveau. Et nous nous retrouvons trois fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi, à partir de 21h de New York, pour nos séances d'études bibliques hebdomadaires. Donc, comme c'est jeudi aujourd'hui, c'est notre dernière séance d'études bibliques. Si tu as écouté quelque chose et tu n'as pas compris, tu peux toujours écrire au pasteur Christian, n'est-ce pas La Grèce, le seul moyen de me contacter, c'est par email. La raison est simple moi, j'ai vis aux États-Unis et je ne peux pas passer le temps à ne pas dormir parce que les gens m'appellent de partout dans le monde. C'est pour cela que je ne communique que mon adresse. Email pasteur Christian n'est-ce pas pasteur Christian à la sainteté.com. mon esprit me demande d'écrire cela peut-être je sais pas y a quelqu'un qui ne euh, qui ne euh, voit pas bien donc euh, l'adresse email c'est pasteur Christian je vais écrire cela n'est-ce pas pasteur Christian à la Sainteté.com. ok donc ça c'est Pasteur Christian à la sainteté.com, si tu veux me contacter, c'est le seul moyen, n'est-ce pas? Il n'y a pas un autre moyen. Parce que je répète toujours ça aux gens, euh, sur Facebook ou sur n'importe quoi, il n'y a pas un autre moyen pour me contacter. Ok, il ne faut pas insister. Parce qu'il y a des gens, parfois, je leur ai dit que le seul moyen de me, de me contacter, c'est de m'écrire et ils préfèrent ne, pas, ne rien faire du tout. Pasteur Christian à la sainteté.com, n'est-ce pas? Et je vais te répondre, je réponds à tout le monde. Ou si tu as une question d'ordre général, tu peux également nous écrire, mais cette fois-ci, euh, je te conseille d'envoyer ton email. Par exemple, tu as, euh, il y a un enseignement, tu veux la copie d'un enseignement, tu peux nous écrire à contact, ok, comme contact à la sainteté.com, ok, contact à la sainteté.com. Et la sœur qui s'occupe, n'est-ce pas, de tous les aspects sociaux, n'est-ce pas, des réseaux sociaux de notre ministère, va se charger, n'est-ce pas, de te répondre, n'est-ce pas. Si également tu veux contribuer à ce ministère, parce que notre projet imminent, c'est de d'élargir ce ministère, c'est d'élargir notre studio, d'avoir un studio plus grand. Ça, c'est notre projet, c'est quelque chose que j'ai à cœur, n'est-ce pas, d'avoir un studio plus grand, n'est-ce pas. Tu peux également nous écrire à contact à la sainteté.com pour savoir comment contribuer, et pour laisser ton empreinte et bénir ta famille, n'est-ce pas Non seulement toi-même, même tes enfants, n'est-ce pas Pour la vie, à part tes contributions, pour que nous réalisons, n'est-ce pas, ce projet euh, de de ce studio pour pouvoir inviter d'autres pasteurs et avoir plus enseignements Ok Donc, nous allons nous retrouver donc seulement la semaine prochaine, n'est-ce pas Mardi, si l'enlèvement n'a pas lieu cette nuit ou si l'enlèvement n'a pas lieu dans le week-end, nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent avec nous ce soir dans ce studio. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie pour la vie de mes frères et mes soeurs dans le cœur de qui tu as mis de se connecter tout au long de cette semaine. Nous te disons merci mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Nous te disons merci parce que sans toi nous sommes perdus. Sans toi nous n'avons aucun point de repère. Donc c'est toujours un plaisir et c'est toujours une assurance pour nous de savoir que tu es avec nous et que tu nous aides par ton esprit à rester focalisé et à rester attentif. Merci mon Dieu, mon roi d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine. Merci de nous avoir accordé la grâce d'être en ta présence trois fois cette semaine, Père éternel. Merci, 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 merci. Nous n'allons jamais avoir assez de merci pour te dire parce que c'est toi qui nous as d'abord démontré que tu nous aimes. Je prie, Papa, que tu me permettes de te confier mes frères et mes soeurs et que tu veilles sur eux demain. Vendredi, après-demain, samedi, après, après, demain, dimanche, après, 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 demain, lundi, et que tu les ramènes tous en santé mardi, lorsque nous allons nous retrouver, si telle est ta volonté pour une nouvelle séance d'études bibliques. Nous te disons merci pour ta fidélité au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen. Amen. Amen.